like y'all don't know. In the world that's ice cold, blacks die slowly. Cats snatch roadies, gats and leave you home. Murder! Nigga, hand me the bezel, a dance with the devil. Guns rapidly spit, gangsta shit, attracting your bitch. Getting head, lean back in the seat. Sell more records than rock niggas. I'ma lock it down for 6 months and shock niggas. Murder Inc. niggas. Salut, c'est Diangina d'Interlude Hip Hop Classique. J'espère que vous allez tous bien. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont envoyé des messages de soutien et d'encouragement sur YouTube ou même sur d'autres réseaux sociaux. Je veux que vous sachiez qu'on les lit tous et qu'on met un point d'honneur à répondre un maximum. Alors parfois, il se peut qu'on prenne un petit peu de temps ou que certains messages nous glissent entre les doigts. Et si ça t'est déjà arrivé personnellement, ne le prends pas mal, c'est totalement involontaire. Et évidemment qu'on ne snob personne. Et si tu repostes un message à la fin de cette vidéo par exemple, il est possible qu'on te réponde dans les minutes qui suivent. En ce qui concerne la série qu'on avait commencé, dans la précédente partie, on avait vu à quel point des brouilles avec des rappeurs comme 50 Cent ou Jay-Z avaient pu déstabiliser Murder Inc. À partir de maintenant, on entre dans le vif du sujet, c'est-à-dire les tensions internes, les trahisons, les rôles joués par des personnages comme Suge Knight ou Ashanti, et surtout le coup fatal qui prendra tout le monde par surprise chez Murder Inc. Donc sans plus tarder, allez, c'est parti. Alors je pouvais pas parler de la chute de Murder Inc. sans à un moment donné évoquer l'album Blood in My Eye de Ja Rule. Son cinquième album, paru en 2003, certainement l'album de Ja Rule le moins bien compris de sa discographie, puisqu'il est sorti après le Last Temptation, qui est l'album de Ja avec Mesmerize ou Thug Lovin' notamment. Et Blood in My Eye a été un flop commercial total, avec pour principal single le fameux morceau Clap Back, ou sans dire que c'est une tuerie, c'est un son face auquel j'ai toujours trouvé qu'on avait été beaucoup trop dur. West 44 Lakers, let's make no mistakes when these apps take place. What's the procedure with a gun in your face when you got one in your back? Alors étant donné que l'album est sorti au plus haut du beef avec 50 Cent, beaucoup ont interprété Blood in My Eye comme étant l'album de la défaite. Le début de la fin de Murder Inc, la preuve que Ja n'avait plus le cœur de répondre aux attaques de 50 Cent. Alors qu'en réalité, très peu ont compris ne serait-ce que le concept même de cet album. Et le concept de Blood in My Eye, c'est le suivant. Irv Gotti et Murder Inc ont toujours été historiquement proches de Suge Knight, le patron du label Death Row. En témoigne d'ailleurs ce vieux cliché du début d'année 96 où vous apercevez au centre Suge Knight entouré de Dee, Wah et Poe, les fondateurs de Rough Riders, et tout à droite vous reconnaissez un tout jeune Irv Gotti. Cette photo a été prise le jour où Suge a fait venir à LA l'équipe de management de DMX. Puisque ce que je vais dire va certainement surprendre beaucoup parmi vous, mais l'une des premières offres sérieuses de signature en maison de disque proposée à DMX a été formulée par Suge Knight. Et si Dee, Wah, Irv et toute la bande avaient finalement accepté cette offre, ouais, vous l'avez bien compris, DMX aurait pu signer chez Death Row, du vivant même de Tupac. Mais l'histoire s'écrira différemment. Et de toute façon, je reviendrai dessus dans une prochaine série que je consacrerai à DMX, preuve à l'appui comme d'habitude. Mais tout ça pour dire une chose simple, c'est que Irv Gotti et Suge Knight se connaissent depuis le milieu des années 90. Et c'est cette proximité entre les deux qui sera d'ailleurs à l'origine des nombreuses autorisations à sampler la musique de Tupac que Suge a toujours octroyé à Murder Inc. sans jamais facturer le moindre dollar. Suge Knight, everyone thinks he's the Prince of Darkness. To them, he might be. To me, he cleared Tupac samples for nothing for me, because he just had love for me. Et le titre So Much Pain de Ja Rule en est pour moi un parfait exemple. Puisque Suge a accordé les droits du beat et du troisième couplet de Tupac sur Pain à Murder Inc. gratuitement.
Et on a souvent accusé Ja Rule de vouloir singer Tupac, et à juste titre même, parfois. Mais sur So Much Pain, Ja Rule fait vraiment un excellent travail. Je dirais peut-être même qu'aujourd'hui, je prends plus de plaisir à écouter la version de Ja que celle de Pac. They'll never take me alive, I'm getting high with my profile. You can picture me hot gun in the brain. I shed a tear, cause this nigga here inherits the pain. Et Irv a toujours ouvertement considéré Shug comme un modèle. Au vu de tout ce qu'il avait réalisé, avec Tupac ou Snoop Dogg notamment chez Death Row. D'ailleurs dans son fameux titre, Back Down, qui est entièrement destiné à Ja Rule, 50 Cent glisse une ligne qui va dans ce sens. And your boss is a bitch if he could, he would. Sell a soul for cheap, trade his life to be sure. Sell a soul for cheap, trade his life to be sure. You could buy... À partir de 2003 et du pic du beef avec 50 Cent, Murder Inc. et Suge Knight vont accentuer leur rapprochement. Et Ja Rule va faire naître l'idée d'un projet en collaboration avec Suge en réponse à tous ses détracteurs. C'est-à-dire pas uniquement à 50 Cent, mais également à Eminem, DMX, etc. Et pour comprendre l'association entre Murder Inc. et Suge sur un projet pareil, il faut premièrement savoir que Suge a toujours entretenu énormément d'affection pour Ja Rule. Et ça, c'est un fait qui est confirmé par tous les gars de Murder Inc. D'ailleurs, lors d'une interview sur Vlad TV, Irv relatait un épisode assez émouvant, je trouve, où Suge était venu le capter en studio, où il était posé avec Ja Rule et Supreme notamment. Et Irv revenait sur un moment où Suge s'était mis à pleurer d'émotion après une discussion avec Ja Rule. But he seen Prem, kicked it with Prem and everything like that. And then we start talking about the record and everything, and he was talking to me and Ja, and I'll never forget, he asked Ja, you know, what's your 5-year goal? And Ja, in true fashion, smoking the blunt, he says, sky's the limit, my nigga, sky's the limit. And Suge actually broke down. Really? He said, my man said the same thing. He said, you remind me of my man, and broke down. Tupac. And he, like, real tears. Now, if you ever see a big man, he went, just silent tears, that should be scary, right? You know what I'm saying? That big nigga crying. But that's why when people say, oh, Suge had something to do with Pac. Nothing at all. Donc, Suge a toujours été l'un des plus fervents soutiens de Ja Rule. La deuxième raison qui va motiver Murder Inc. et Suge à s'associer sur un projet de cette envergure, c'est qu'il faut se rappeler que les deux parties avaient des ennemis en commun dans la bataille. Et 50 Cent, qui était l'ennemi juré de Murder Inc., était également le poulain d'Eminem et de Dr. Dre, dont Suge n'avait jamais pardonné qu'il quitte Def Row en 96 comme un voleur. Et donc le concept même de Blood in My Eye était d'avoir le même rôle dans la discographie de Ja Rule que le 7 Day Theory avait eu dans la discographie de Tupac. Pour ceux d'entre vous qui maîtrisent la musique de Tupac en termes d'album, vous m'aurez directement compris. Pour les autres, en clair, après avoir sorti 2-3 albums relativement grand public type Me Against the World ou type All Eyes on Me, l'idée c'était de revenir avec un album comprenant très peu de titres pour la radio et surtout destiné à régler des comptes. D'ailleurs, la similitude avec l'album de Tupac s'illustrait aussi par la très forte présence d'Hussein Fatal des Outlaws en featuring sur Blood in My Eye. Pour les plus fins connaisseurs de la musique de Tupac, vous connaissez forcément son groupe de protégés, les Outlaws, dont Hussein Fatal était l'un des membres. They call me Hussein Fate. It's a two-game tape. I'm robbing your niggas, cradle with a knife in your neck.
Alors pour la petite parenthèse, certains se souviennent de Fatal pour son couplet sur Hit 'Em Up. En ce qui me concerne, je penche indiscutablement pour son couplet sur Main Niggas, qui est d'ailleurs l'un de mes sons favoris de Tupac. Dessus, Fatal pose clairement le meilleur couplet pour moi. Même Pac est comme un fou dans le clip à réciter son couplet derrière lui. Together, plus we get cash together. Last but never, knowing it don't last forever. It's only one way out and one way in. Et Fatal était aussi proche de Ja et Irv et assurait de nombreux featuring sur Blood in My Eye. Ce qui va aussi dans le sens de connecter cet album-là à Tupac et Death Row. D'ailleurs, Chris Gotti, le frère d'Irv et co-président de Murder Inc., revenait lors d'une interview sur la démarche entreprise autour de Blood in My Eye. Ja était particulièrement agacé des provocations de 50 Cent. En fin de compte, la critique de 50 selon laquelle Murder Inc. était trop tendre et R&B était aussi largement valable pour sa propre musique. Ja Rule voulait pas répondre à ce mec, explique Chris Lorenzo. Mais ses attaques se sont mises à pleuvoir et il voulait faire sortir ce qu'il avait sur le cœur. Chez Murder Inc., on a mis en œuvre un plan, Blood in My Eye. Un EP, une version plus courte d'un album, généralement moins de 10 titres, avec des lyrics de rue, clairement dirigés contre 50, et publié par le label Death Row de Suge Knight. Ja et Suge ont parlé de faire Blood in My Eye, explique Chris Lorenzo. On était tous au studio, et là, Suge arrive. Lui et Ja Rule se sont mis à discuter. Suge parlait de Tupac et de Machiavelli, qui en vrai était plutôt un EP. Et on voulait faire de Blood in My Eye un EP aussi. Les frères Lorenzo ont vite réalisé qu'un EP ne compterait pas comme un album dans le contrat de Ja Rule avec Def Jam. Alors ils ont laissé tomber leur idée originale de faire un EP avec Suge Knight. On n'avait jamais eu pour projet d'en faire un album, explique Chris Lorenzo. Mais Ja voulait sortir de son mutisme parce qu'il avait été trop longtemps silencieux. Mais la vraie différence entre les deux albums, c'est que Tupac avait eu la justesse d'incorporer à son disque un titre comme To Live and Die in LA, histoire de 1. Détendre l'atmosphère, et deuxièmement surtout, soutenir l'album un minimum commercialement parlant. Ce que Ja Rule n'était pas parvenu à faire, puisque le seul titre qui se voulait plus ou moins clubby avait été Clap Back, qui était un échec. Mais ne pas inviter Ashanti sur Blood in My Eye était totalement délibéré. Je veux absolument pas que vous pensiez que c'était le produit d'un manque d'inspiration ou quoi que ce soit. Pas du tout en réalité. Le plan de Murder Inc. avec cet album avait été de miser sur un buzz polémique. Le même buzz polémique qui avait servi aux 7 Day Theory lorsqu'on avait appris que, quelques semaines après sa mort, un album de Tupac sortait, où il insultait pratiquement toute la terre. C'est cette même stratégie que les mecs de Murder Inc. avaient tenté de mettre en place. Et leur plan avait été finement pensé et réfléchi, à tel point que les gars avaient créé un contexte autour de cet album. Et le contexte autour de Blood in My Eye avait été d'accepter de prendre part à un meeting de réconciliation filmé en 2003 avec 50 Cent. Donc je vous parle vraiment de 50 à son firmament. Et tout ça sous l'égide de Louis Farrakhan, ex-compagnon de lutte de Malcolm X, et surtout à la tête de la Nation of Islam. Mais finalement, 50 Cent décidera de ne pas venir à ce meeting de réconciliation. En ce qui concerne la rencontre avec Farrakhan, elle aura pas lieu, disait 50 N Radio de Washington DC. Je respecte Farrakhan, mais ça se passera pas. Ja s'est mis dans cette situation tout seul. Mais finalement, cette réunion aura quand même lieu, mais uniquement entre Farrakhan et Ja Rule. Like, you said I don't like 50, and 50 said I don't like Ja. You said he's a creep. He said that nigga, he ain't a gangster, he's a wangster. So here's a battle now, but it's going from words to the gun. And that we have to stop. 50 Cent évoquera cet appel au dialogue dans plusieurs interviews et également en musique. En 2003, sortira la mixtape de G-Unit, G-Unit Radio Volume 4, comme toujours mixé par DJ Who Kid, et dont le titre sera une réponse très directe à cette invitation à l'apaisement. No Peace Talks,
En clair, il n'y aura aucun pour parler de paix. Sur cette mixtape sont également inclus plusieurs extraits de l'entretien entre Farrakhan et Ja Rule que 50 tourne en dérision, ainsi qu'une version du titre G'd Up, sensiblement différente de celle qui sortira sur le premier album de G-Unit, Beg for Mercy, où il est question entre les lignes d'en finir définitivement avec Murder Inc. Put an end to your career, bitch. Before you speak on 50, buy a 40 in a spare clip. I put an end to your career, bitch. Before you speak on 50, buy a 40 in a spare clip. These niggas gassed up, getting too used to rap. Alors 50 justifiait cette volonté de ne pas saisir la main tendue de Murder Inc. d'une façon très intéressante, je trouve. Puisqu'il a de nombreuses reprises invoqué cette règle de base d'un livre très célèbre qui s'intitule The 48 Laws of Power, les 48 lois du pouvoir, d'un auteur du nom de Robert Greene. Ce livre, c'est une espèce de bible dans l'art de la conquête et la conservation du pouvoir, et qui s'inscrit dans la droite lignée du prince de Machiavel ou de l'art de la guerre de Sun Tzu. Alors c'est un pavé de 500 pages, mais qui pour le coup a été traduit en français, et qui vous offre un guide complet sur ce qu'il faut faire et les erreurs à ne pas commettre lorsque vous êtes dans la quête d'un objectif, quel qu'il soit en réalité. Et ce qui est ouf avec ce livre, c'est qu'il s'appuie sur près de 3000 ans d'histoire en termes d'exemples qui viennent étayer ces théories. C'est-à-dire des cas très concrets de situations qu'ont pu rencontrer Alexandre le Grand, le tsar Nicolas de Russie, ou alors l'empereur Haïlé Sélassie d'Éthiopie, en vous disant « voilà ce qui a permis à tel leader de prospérer, et voilà ce qui a fait vaciller tel autre ». Et les leçons qu'en tire Robert Greene gardent une vraie pertinence aujourd'hui par les similitudes qui peuvent se retrouver dans vos interactions sociales ou professionnelles. En vous disant par exemple « n'exposez jamais vos talents, vos qualités plus que nécessaire, parce que vous pourriez créer de la peur ». Et c'est en suscitant de la peur que vous allez vous créer des ennemis. Ou alors, si vous voulez conforter une emprise ou un statut, assurez-vous de toujours garder les gens qui vous entourent, dépendants de vous, d'une manière ou d'une autre. Parce que le jour où ils n'auront plus besoin de vous, vous serez sur un siège éjectable. Alors c'est un super livre que je recommande à tout le monde. Néanmoins, je pose quand même un petit bémol pour toutes les personnes qui sont un tantinet fleur bleue, ou alors vite offensées par tout ce qui ne sent pas l'amour et le printemps, ne le lisez pas. C'est un livre qui a une lecture beaucoup trop froide et beaucoup trop cynique de la nature humaine, ni plus ni moins. Ce livre n'invente rien, il ne fait que formaliser les rapports qui ont toujours existé entre les hommes. Ce qui explique que depuis le début des années 2000, beaucoup de grands leaders et de gros noms du hip-hop ont eu à lire ce livre. Et d'ailleurs le cite même comme référence. At 42, be better than 24s. I carried the 4-5, that's the 48 loss. Still wearing my 23s, they can't fuck with the boss. Only book I ever read, I could've wrote 48 laws of power. Only book I ever read, I could've wrote 48 laws of power. Me too. Et il y a quelques jours encore, j'écoutais la mixtape d'un rappeur qui s'appelle 38 Pesh. C'est un MC qui est largement affilié au rappeur de Griselda, et le concept de sa mixtape est entièrement tiré du livre 48 Laws of Power, puisque sa tape s'intitule The 38 Laws of Powder. Et en plus d'être un gros clin d'œil au livre de Robert Greene, cette mixtape est une boucherie. Put your whole life on a triple beam. Your whole squad looking broke, nigga, fix your team. My shooter clean your whole strip, call him Mr. Clean. Your gun jammed and I started blasting. I prefer revolvers over automatics. They see my man and started clapping, that was more than tragic. Niggas in my hood don't like it cause I fuck with Spech. What you expect? Big house, double deck. In 98 bought a bubble X from my uncle Stetch. I'm lifting weight and I ain't never do a fucking set. Trust gang everywhere, bitch, I fucking rap. Et ce bouquin, 50 l'a étudié en long et en large. Et face à la volonté de Farrakhan de pacifier les choses avec Murder Inc., 50 Cent avait invoqué la loi numéro 15 de ce livre, qui dit la chose suivante. Anéantissez totalement votre ennemi. Tous les grands leaders depuis Moïse savent qu'un ennemi redouté doit être complètement anéanti. Ils l'ont parfois appris à leurs dépens,
Si la moindre braise persiste aussi faible soit-elle, un feu finira par en surgir. Il y a davantage à perdre d'une victoire incomplète que d'une destruction totale. L'ennemi se relèvera et préparera sa vengeance. Écrasez-le, pas juste physiquement, mais aussi par la pensée. Cette théorie déjà largement présente dans l'art de la guerre de Sun Tzu est illustrée par plusieurs exemples dans le livre de Robert Greene. Et juste pour le plaisir, en voici un que je trouve particulièrement intéressant. Mao Tse-tung, qui était un grand adepte des écrits de Sun Tzu et de l'histoire de Chine en général, connaissait l'importance de cette règle. En 1934, le leader communiste et quelques 75 000 soldats, modestement équipés, sont allés se réfugier dans les montagnes isolées de la Chine occidentale. Ils fuyaient l'armée bien plus grande en nombre de Chiang Kai-shek dans ce qui a depuis été baptisé la Longue Marche. Chiang était déterminé à éliminer chaque communiste jusqu'au dernier. Et quelques années plus tard, Mao comptait déjà moins de 10 000 soldats dans son armée. En 1937, lorsque la Chine a été envahie par le Japon, Chiang estimait que les communistes n'étaient plus une menace. Il a donc décidé d'abandonner cette bataille pour concentrer ses forces sur les Japonais. 10 ans plus tard, les communistes s'étaient remis sur pied pour mettre en déroute l'armée de Chiang. Chiang avait oublié le précepte antique selon lequel l'ennemi devait être anéanti, mais pas Mao. Chiang et son armée ont été défaits. Ils ont dû battre en retraite jusqu'à devoir se réfugier sur l'île de Taïwan. Aujourd'hui, il ne reste plus aucune trace de son régime. Alors vous comprenez mieux la petite phrase de 50 dans l'extrait musical que je vous ai fait écouter juste avant. And explain to him, it's against my religion to let a nigga survive, you know what I mean? It's in the laws of power, baby. Donc pour 50 Cent, cette tentative d'enterrer la hache de guerre était une posture opportuniste de Murder Inc. afin de se servir de la pub de cet événement pour mieux rebondir derrière. You say the peace tour, we had a stop the violence tour. We wanted to play stadiums and get everybody that had beef on in the stadiums and play like Giant Stadium, Ja, 50, Jay, Nas, X, Eminem, and use one spot and peace talk. Like, and now with this, if 50 was and everything was to work out, that is his reality. D'ailleurs, 50 l'expliquait lors d'une interview sur MTV, accordée à Sway, où il développe, sans la nommer, la loi numéro 15 des lois du pouvoir de Robert Greene. Alright. At this particular point, if I let up off a Murder Inc., right? They linger for a little bit. People start to feel like it's okay to like them. Mm-hmm. They get back in position, and guess what? They were to fight again. You know, now they want to, ooh, peace treaty, white flag, everybody, who, please get up off us. This kid is killing us. But when you let them get back up on their feet, they want to fight again. That's why I said, for me, when you begin to destroy, you should destroy completely. L'intuition de 50 était bonne. Et dans le cadre du beef avec Murder Inc., la loi de Robert Greene se démontrera juste, puisque c'était un piège de Murder Inc. en réalité. Figurez-vous que cette réunion avec Farrakhan était prévue pour la veille de la sortie de l'album Blood in My Eye de Ja Rule. Et donc le plan de Murder Inc., c'était de faire venir 50 Cent, de lui serrer la main face caméra, éventuellement de le faire s'excuser, avant de, dès le lendemain, sortir un album qui débordait d'insultes à son encontre. Lorsque Blood and Ma est sorti en magasin le lendemain, la médiation avec Farrakhan semblait encore plus absurde. Jay insultait 50 Cent sur presque tous les titres, revendiquait son affiliation avec le label Death Row de Suge Knight et narguait même le FBI. Si t'apprécies notre taf et que tu voudrais plus de vidéos comme celle-ci, alors participe au développement de notre chaîne en contribuant par le montant que tu souhaites à notre compte Tipeee, dont tu retrouveras le lien un petit peu plus bas dans la description de la vidéo. En attendant, bonne suite de programme et merci d'avance.
Alors tous dont je vous ai parlé jusqu'à présent représentent la face émergée de l'iceberg qui a conduit jusqu'au déclin de Murder Inc. Et mon taf ne serait pas sérieux et complet si je me limitais à vous expliquer ce qui est déjà rabâché par tout le monde sur Murder Inc, c'est-à-dire le raid du FBI ou le beef avec G-Unit. Or, si un coup fatal a été porté à Murder Inc, croyez-moi bien, ce coup fatal a été envoyé depuis les coulisses et bien loin du regard des médias. Soyons très clairs, 50 Cent était un pantin entre les mains des véritables décideurs de label. Et s'il y en a parmi vous pour croire que 50 ait pu être en mesure, tout seul ou presque, d'écraser un label comme Murder Inc, qui générait des centaines de millions de dollars à cette époque, vous vous trompez sur toute la ligne. Déjà, je vais commencer par rétablir une vérité qui, je pense, va permettre à beaucoup parmi vous de voir le problème sous le bon prisme. Comme je le disais précédemment, Murder Inc appartenait à Def Jam. Le groupe Def Jam était une filiale et reste encore aujourd'hui une filiale du groupe Universal Music. Et le groupe Universal Music était la propriété au début des années 2000 et encore aujourd'hui du groupe français de médias Vivendi, dont l'actionnaire principal est le groupe Bolloré. Donc si je dois parler rapidement en réalité, Ja Rule, Irv Gotti ou Ashanti travaillaient pour un groupe français si on doit prendre la plus élevée des sociétés mères. Mais pour ce qui va nous intéresser aujourd'hui, arrêtons-nous uniquement à Universal Music. Donc comme je vous l'ai dit, il y avait trois strates, à savoir Murder Inc, qui appartenait à Def Jam, et le groupe Def Jam, qui était une filiale d'Universal Music. Pour les regards non avertis, on peut avoir l'impression qu'aux États-Unis, l'offre en termes de label est pléthorique et qu'il y a v'là les labels. En réalité, c'est une totale illusion, puisqu'aux États-Unis, pratiquement toute l'industrie musicale est contrôlée par trois groupes qu'on appelle le Big Three, à savoir Warner, Sony et Universal. Et ce diagramme issu de l'étude Statista 2020 illustre assez bien le poids de ces trois groupes dans l'industrie musicale aux États-Unis en 2019. Ce qui veut donc dire que pratiquement tout label US avec un minimum d'envergure auquel vous pouvez penser là maintenant tout de suite est une filiale de l'un de ces trois groupes. Ou alors d'un groupe qui a fini par se faire racheter par l'un de ces trois groupes. Et le groupe Universal Music, plus précisément, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'était? Bah déjà tout le groupe Def Jam, c'est-à-dire des labels comme Murder Inc, Rockefeller Jay-Z, ou un petit peu plus tard, Good Music de Kanye West. Tous ces labels-là étaient des filiales de Def Jam, et comme je vous l'ai dit, Def Jam appartenait et appartient toujours à Universal Music. You are now looking at the 40 million boy. I'm raping Def Jam till I'm the 100 million man. I'm raping Def Jam till I'm the 100 million man. R.O.C. Maintenant, prenez par exemple le groupe République, c'est-à-dire des labels comme Cash Money ou Young Money, de Drake, de Lil Wayne ou de Baby. Tous ces labels-là étaient des filiales de République et République appartenait et appartient toujours à Universal Music. Stop talking numbers. You signed a 360 deal through Young Money, through Cash Money, through Republic, which means your money go through five niggas before you touch it. You signed a 360 deal through Young Money, through Cash Money, through Republic, which means your money go through five niggas before you touch it. Maintenant, prenez par exemple tout le groupe Interscope, c'est-à-dire des labels comme Death Row de Suge Knight dans les années 90, Aftermath de Dr. Dre, Shady d'Eminem, ou alors G-Unit de 50 Cent. Tous ces labels-là étaient des filiales d'Interscope, et Interscope appartenait et appartient toujours à Universal Music. No sleep, you better get used to it. You know how we do it. Shady Aftermath, Interscope, and G-Unit. You better get used to it. You know how we do it. Shady Aftermath, Interscope, and G-Unit. Alors je sais que ça devient un petit peu technique ici, mais une fois que vous avez saisi cette partie, c'est là que les choses deviennent très intéressantes. Parce que pour résumer donc, Murder Inc. était une filiale de Def Jam.
G-Unit de 50 Cent était une filiale d'Interscope. Mais Interscope et Def Jam étaient deux sociétés sœurs avec exactement la même société mère, c'est-à-dire le groupe Universal Music. Et les dirigeants de Def Jam et ceux d'Interscope étaient copains en réalité. Russell Simmons ou Lior Cohen de Def Jam et Jimmy Iovine d'Interscope s'appelaient par leur prénom et assistaient aux mêmes réunions de groupe du groupe Universal Music. Donc ce que j'essaie de vous dire par là, c'est que d'un point de vue totalement corporate, Murder Inc. et G-Unit n'avaient absolument rien de société adversaire. C'était deux compagnies qui couraient exactement pour la même écurie, c'est-à-dire le groupe Universal Music. Et les dirigeants d'Universal, qui contrôlaient de facto à la fois la musique de Ja Rule et celle de 50 Cent, n'avaient absolument aucun intérêt à laisser 50 prétendument écraser Murder Inc., si tant est qu'il en ait eu le pouvoir, puisqu'à la fin de la journée, les dirigeants d'Universal auraient tout simplement décroché leur téléphone pour passer un coup de fil à Jimmy Iovine d'Interscope et lui dire « S'il te plaît, calme ton petit 50, puisque Jai Irv rapporte également des sous à la famille ». Mais à cette époque, c'était absolument pas ça la situation qui prévalait. La réalité, c'est que vers 2000-2001, va se poser un sérieux problème chez Def Jam. Alors cette partie de ma vidéo n'est pas la plus simple, mais je suis obligé de passer par là si vous voulez comprendre les réelles causes du déclin de Murder Inc. Parmi les nombreuses filiales de Def Jam à cette époque, figurait, à côté de Murder Inc., une structure baptisée Violator Records, et qui était dirigée par un monsieur qui s'appelait Chris Lighty. Avec les années, Violator s'était surtout spécialisé dans le management d'artistes. Et Chris Lighty manageait tout un tas de rappeurs qui n'étaient pas nécessairement Def Jam, quand bien même, je le rappelle, Violator appartenait à Def Jam. Et Chris Lighty manageait des gars comme Big Pun ou Fat Joe, d'où d'ailleurs le très gros big up de Joe à Chris Lighty sur l'outro Dedication de son deuxième album solo, le classique Jealous One's Envy. Chris Lighty, I hope the rain never ends. Violate the records, now featuring the twins. Chris Lighty, I hope the rain never ends. Violate the records, now featuring the twins. Diamond D, for believing in me. Showbiz and AG, the whole DITC. Et Chris Lighty manageait également les carrières de bonhommes comme LL Cool J depuis pratiquement toujours, les mecs de Tribe Called Quest, ou Lil Wayne et les Hot Boys, bref, la liste est immense. Des rappeurs que vous connaissez très bien, qui étaient directement gérés par Violator. Et je veux que vous intégriez bien le fait que Violator était la structure de management hip-hop référence sur la période fin 90, début 2000. Je le lisais encore il y a peu dans les écrits d'une chanteuse R&B assez connue qui disait que être signé chez Violator à cette époque, c'était l'assurance d'être booké en termes de show pratiquement toute l'année. Et en 99, sortira la compile Violator de Chris Lighty avec une bonne partie des rappeurs qu'il manageait et Busta en faisait ouvertement la promo lors d'une remise de trophée à la cérémonie des Source Awards 1999. I got a big up Hype Williams for directing all my videos and making them hot. And I got a big up Violator. The Violator album is in stores right now. Go cop that. We not playing. Et cette compile est une dinguerie. Si vous ne l'avez pas encore écouté, faites-le rapidement, c'est une urgence. Niggas better head for the hills. Act up and you gon' see how many heads to get killed. The young dog from QB, pitching me being corny. Been high since I stepped up. God forbid I ever fold down, I'm just gon' get up. Money, yeah. Cash is stocked and locked, plus I'm stacking. The grimy niggas rolling with me, the niggas packing. Bust you on your face. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Vous allez vite le comprendre. Comme il fallait que les choses deviennent drôles dans mon histoire, parmi tous les artistes que Chris Lighty manageait, il y avait également un certain 50 Cent. Donc un mec de Def Jam, c'est-à-dire Chris Lighty, puisque je vous l'ai dit, Violator appartenait à Def Jam. Donc un mec de Def Jam manageait un rappeur d'Interscope, c'est-à-dire 50 Cent. Ce qui vu de loin pouvait sembler complètement incongru, mais comme je vous l'ai dit d'un point de vue business, ça faisait totalement sens, puisque Def Jam et Interscope appartenaient à la même famille, c'est-à-dire le groupe Universal Music.
Mais à partir de 2000-2001, va se profiler une guerre d'influence chez Def Jam qui n'avait strictement aucun rapport avec 50 Cent. Chris Lighty a toujours été l'un des plus fidèles lieutenants de Lior Cohen, dirigeant de Def Jam. Mais les nouveaux succès d'Irv Gotti, grâce à ses recrues, qui étaient des gars comme Jay-Z, DMX ou Ja Rule par exemple, avaient progressivement détourné les projecteurs de Chris Lighty pour les braquer vers Irv Gotti. It's the biggest dog out here, you know? It's only right. Yeah, DMX definitely out there doing his thing, man. A lot of support. What else are you working on or as far as signing artists? What's going on? Jay-Z album coming out September 29th, Hard Knock Life. Then my man Ja, the Belly soundtrack, the Hype Williams movie will be out in November. And my man Ja Rule, the next future star. He on the first single on Belly with DMX, Method Man and Nas. Then he got the joint out now, Can I Get a with Jay. Ce que naturellement Chris Lighty a eu du mal à accepter. Question d'ego, question d'influence auprès de Lior. Et donc à partir de cette époque, va naître une guerre larvée chez Def Jam entre Irv Gotti et Chris Lighty. D'ailleurs, dans ses mémoires, Ja Rule raconte. Sur la côte Est, le beef avec 50 avait des répercussions dans tout le monde du hip-hop. Chris Lighty, paix à son âme, avait été le proche collaborateur de Lior Cohen pendant de nombreuses années. Chris Lighty était un ancien rappeur, reconverti en dirigeant. Avec Lior, il s'était bien trouvé, et Chris était à la tête du label Violator Records, filiale de Def Jam. Chris manageait Busta Rhymes, Mobb Deep et Noriega. À cette époque, Violator était tellement encensé que Chris était intouchable. Chris Lighty était également le manager de 50 Cent. Mais chez Def Jam, Irv était en train de prendre la place qui avait toujours été la sienne face à Lior. Lior Cohen et Chris Lighty avaient de bons rapports, mais leur relation commençait à prendre du plomb dans l'aile parce qu'Irv était devenu le nouveau centre d'attention de Lior. Chris l'a pris comme un désaveu. Irv Gotti est devenu le bras droit de Lior en présentant une nouvelle équipe d'artistes hip-hop plus audacieuse que jamais. Gotti et Lior étaient connectés par leur passion commune. Ils imaginaient tous les deux ce que le label pourrait être si Irv endossait le rôle du décideur. Russell Simmons, cofondateur de Def Jam, a même essayé de désamorcer la brouille entre Chris et Irv qui prenait l'allure d'un scandale national. Une réunion a été organisée, rien n'en a résulté. Irv Gotti et Chris Lighty se sont battus devant Russell avant qu'il les fasse sortir tous les deux. C'est donc à partir de cette époque que Lior Cohen s'était mis à ouvertement chanter les louanges d'Irv Gotti. À quel point did you feel Irv was ready to run a label in contrast to just being A&R? Irv took. Every great person took what they had. I didn't give him shit. He grabbed it, snatched it, and did it on his own. Because I would have had him still A&R for us had he not had the nuts to go out on his own and bring it. This guy used to stomp through my door and say, we're gonna sell 5 million albums. I looked at him like he was fucking on crack. And then guess what? Sold 5 million albums. And it, you know, after a couple of epiphanies, you know, predicting the future, you start writing and listening and doing what he tells you to do. You see, really, the one thing that Gotti's figured out is that he's the boss. You know what I'm saying? He tells us what to do, we do it. We know what's smart for us. Mais en 2003, l'avènement de 50 Cent avec son premier album, Get Rich or Die Tryin', a permis à Chris Lighty de complètement repositionner ses pions dans la lutte d'influence chez Def Jam. Et donc c'est à partir de cette époque que vont apparaître deux tendances chez Def Jam. Une tendance pro 50 Cent et une tendance anti 50 Cent. Ce qui en clair se résumait par Chris Lighty et Sega contre Irv Gotti et Sega. Chris Gotti, le frère d'Irv et co-président de Murder Inc, revenait lors d'une interview sur un épisode assez révélateur, je trouve, des tensions qui régnaient chez Def Jam à cette époque. We had a meeting with
Russell Simmons at Palms Restaurant, and he brought in Chris Lighty, and God bless the dead, you know, he brought in Chris Lighty, and he brought us in, and mm-hmm. we were supposed to go there with no people, just us. Russ was like, don't bring your entourages. So when we pull up, we go there, Lighty got like 20 dudes. So I go to Russell like, yo, what's this? You know what I'm saying? Mm-hmm. You tell me, should I make a call? I said, I'll get 50 dudes over here. Mm-hmm. You know what I'm saying? If that's the game we playing, I could do it. That's not a problem. And he screams on Chris, you don't want to do that to these guys. And it was just such a stupid meeting. And we're looking at Russell like, why'd you call this meeting? He has nothing. He just is saying stuff. And he's actually with 50 Cent. Mm-hmm. And then he also has Busta. So it made me understand why Busta probably flipped. Busta fera ouvertement allusion à cette animosité entre Murder Inc. et Violet Horn dans le freestyle Hail Mary avec Eminem et 50 Cent, inclus sur la mixtape Invasion Part 2 de DJ Green Lantern. Ce titre que j'avais déjà évoqué dans une précédente partie était entièrement destiné à Ja Rule et Murder Inc. Dans une autre série en projet où j'expliquerai les origines du beef entre Murder Inc. et G-Unit, je reviendrai sur les raisons qui ont amené Busta à se retrouver lui-même impliqué dans ce beef. Mais pour bien comprendre l'extrait musical que vous allez écouter dans un instant, il y a un truc qu'il faut savoir. C'est que Ja Rule a lui-même été un temps managé par Chris Lighty et Violet Horn, et ça c'est à l'époque de son tout premier album. If I recall, Violator used to manage you, nigga. If I recall, Violator used to manage you, nigga. Then took a closer look and realized you was an imposter. There's never been a Violator on a Murder Inc. roster, dumbass. Now who? Ces dissensions chez Def Jam vont encore s'accentuer en 2003, lorsque Jay-Z va accepter de partager l'affiche à une tournée de concert organisée par Chris Lighty en compagnie de 50 Cent. C'était une tournée de 33 dates, sponsorisé par Reebok et Footlocker, et baptisé le Rock de Mike Tour. Jay-Z faisait la promotion de son album Blueprint 2, tandis que 50 défendait son album Get Rich or Die Tryin'. Et beaucoup de gens, dont les frères Gotti, vont interpréter ce ralliement de Jay-Z à la branche Chris Lighty, qui n'était absolument pas naturel. Puisque je vous rappelle, à la base, Jay, c'est le gars d'Irv. Mais beaucoup vont interpréter ce ralliement de Jay-Z à Chris Lighty comme une forme de douce vengeance de la part de Jay-Z par rapport à ce que Murder Inc. avait tenté de lui faire quelques mois plus tôt en essayant de signer Nas. Donc vous l'avez bien compris, dans toute cette histoire, 50 Cent a surtout été instrumentalisé. 50, c'était l'artiste de Chris Lighty qui lui a permis de réaffirmer sa crédibilité dans la lutte pour le pouvoir chez Def Jam. What people need to know about me and Chris Lighty is that was like one of my close friends. You understand? We was in Def Jam. I was in that little office. He was had Violator down a mm-hmm. thing. Like this dude was my man. Mm-hmm. Like not play. Like I really considered him. He was at my wedding. Mm-hmm. He was my man. Yeah. And when 50 came along, it separated us for no reason other than he just had to pick that side. Right. Mais la nouvelle hégémonie artistique qu'exerçait Interscope grâce à des artistes comme Eminem, 50 Cent ou G-Unit, entremêlée avec les dissensions internes chez Def Jam entre les branches Irv Gotti et Chris Lighty, auront des conséquences fatales pour Murder Inc. Puisque tout ça viendra coïncider avec un autre événement qui, pour le coup, était le produit d'un total concours de circonstances. Une réorganisation structurelle chez Universal Music. Au-dessus de tous les dirigeants, Doug Morris était celui qui contrôlait tout d'en haut. On était ses marionnettes et Doug Morris s'apprêtait à quitter son poste. Pour le remplacer, les yeux étaient braqués vers Jimmy Iovine du groupe Interscope et Lior Cohen de Def Jam. Qui allait avoir le poste? Jimmy Iovine représentait Dr. Dre, Eminem et 50 Cent. Et Lior Cohen représentait Ja Rule, Murder Inc., DMX et Jay-Z. La rumeur veut qu'une solution ait été trouvée sur la base d'un commun accord et quelqu'un appuyé sur le bouton qui a précipité notre chute. Tout ça s'est réglé en quelques coups de téléphone. Aucune bagarre, aucun coup de feu, aucune insulte.
Et le coup de grâce viendra lorsque Lior Cohen, qui était le véritable soutien de Murder Inc., décidera de démissionner de son poste chez Def Jam et même de quitter Universal pour rejoindre la concurrence, c'est-à-dire Warner. I was mad at Leo when he left and went to Warner Bros. I was mad at Leo for that. Because I was in the midst of the 50 thing. I'm like, yo, how you gonna leave me, yo? Like, I need you here. We gotta ride. We gotta battle. We gotta fight. And he left. Après ça, Murder Inc. sera grandement laissé pour compte, notamment vu du procès pour blanchiment d'argent qui les menaçait. Mais tout ça n'aura pas grand impact chez Murder Inc., puisque c'est surtout la branche Interscope qui en ressortira renforcée, notamment en termes de dotation financière. All they did was take Murder Inc. money and throw it over to Jimmy. It's still Universal. Oh. Bobby Brown de Noé Deschenes avait signé chez Murder Inc. en 2002, peu avant la sortie du single Thug Lovin' avec Ja Rule. Et d'ailleurs, on peut dire ce qu'on veut sur ce son, ça reste une tuerie. La combinaison de Ja Rule et B. Brown dessus, je leur donne 10 sur 10. I make headlines like Lowe and Diddy or Bob and Whitney. I'm here cause the Lord sent me. Pound like a pugilist, grin real devilish. Cependant, la signature de Bobby Brown coïncidera avec le début de la réelle mise sous pression de Murder Inc. par le FBI. Et donc Bobby Brown quittera Murder Inc. avant même d'avoir sorti la moindre musique sur le label. Quant à Charlie Baltimore, rappeuse et ancienne maîtresse assumée de Biggie, elle avait signé chez Murder Inc. en 2001. Et avait rapidement gagné en popularité au sein du label, notamment grâce au single Down As Bitch avec Ja Rule. Mais Charlie Baltimore quittera le label en 2005, après que la sortie de son album ait été maintes fois repoussée, notamment à cause des ennuis judiciaires de Murder Inc. Parallèlement, la relation entre Ashanti et Irv Gotti a toujours été haute en couleur. On l'oublie souvent, mais Ashanti n'a émergé chez Murder Inc. qu'à partir du troisième album de Ja Rule, le Pain Is Love, qui sortira en 2001. Ashanti avait été initialement repéré par Chris Gotti en 2000. Et très peu s'en souviennent, mais le tout premier son d'Ashanti à avoir suscité l'attention n'était absolument pas avec Murder Inc. C'était un son qui s'intitulait How We Roll avec Big Pun et qui est d'ailleurs trouvable sur la première compilation posthume de Pun, Endangered Species, qui sortira en 2001. Alors je sais que c'est une compile qu'on peut avoir a priori tendance à négliger, mais croyez-moi, c'est une grossière erreur. Puisque dessus vous retrouvez des sons très lourds, qui ne sont ni sur Capital Punishment, ni sur Yeah Baby de Pun. Et c'est cette collaboration d'Ashanti avec Big Pun et le Terror Squad, arrangée par Chris Gotti, qui va finir par convaincre Irv, qui avait un truc à tirer de cette chanteuse. Son premier album éponyme, Ashanti, sorti en 2002, reste une référence du R&B de la première moitié de la décennie 2000. Et bien qu'à titre personnel, je le considère absolument pas comme étant son meilleur album, ça n'enlève strictement rien au fait que, dessus, vous retrouvez des sons de dingue. Son premier album décrochera un record qui tient jusqu'à présent, celui de la plus grosse performance commerciale sur une première semaine pour une chanteuse R&B. Avec son premier album, Ashanti écoulera plus de 500 000 exemplaires en moins d'une semaine. C'était du jamais vu. Et le succès de son album sera surtout porté par son premier single, Foolish, dont d'ailleurs le clip est une totale adaptation d'un de mes films de gangster favoris, Goodfellas de Scorsese, avec De Niro et Joe Pesci. What do you do? What? What do you do? I'm in construction. I don't feel like you're in construction. No, I'm a union delegate. What do you do?
construction. Alors pour la petite histoire, Ashanti confirmera que Foolish devait initialement être une collaboration avec Jay-Z. Before the record was completed, that bridge wasn't on there. And he was originally, he reached out to Jay to do a verse instead of that bridge. And he called him, he sent Jay the record, and Jay was like, I'm in. He said, I want to get on the record. And I think, I don't know if he came up to the office or what, but Irv changed his mind. And he was like, you know what, that's typical. I'm not going to do the typical R&B record and get the big rapper to co-sign it. He said, I'm going to make her write an ill verse. And I wrote, see, when I get the strength to leave you, you know. Alors certains ont soupçonné Ashanti et Ja Rule d'entretenir une relation. Mais écoutez, sur la base de toutes les recherches que j'ai effectuées et des heures d'interview que j'ai ingurgitées, je n'ai absolument rien trouvé qui allait dans ce sens. Ce que je pense, c'est que leur relation a toujours été fraternelle, mais jamais au-delà. En revanche, il est bien connu qu'Ashanti et Irv Gotti ont eu une liaison. Irv le laissera entendre avant de clairement le confirmer face caméra. Cette relation qui s'est déroulée à l'époque de Foolish aura énormément de conséquences. D'abord la femme d'Irv, puisque ouais, il était bel et bien marié à cette époque-là. La femme d'Irv demandera le divorce, bien que lui démentira toujours que c'était à cause de sa relation avec Ashanti. Et deuxièmement, l'ambiguïté de leur rapport sera aussi à l'origine de l'inimitié entre Irv Gotti et le crew du rappeur Nelly. Puisqu'entre temps, Ashanti et Nelly s'étaient mis en couple. Nelly's my man. No, but at the time, there was some crunch. It was some crunch. Why? Because we was with the same chick. Les mecs de G-Unit s'amuseront de cette situation en prétendant être à l'origine. Et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre la ligne de Game dans le remix de Hate It or Love It, inclus en bonus track sur le deuxième album de 50, où il insinue que c'est parce que G-Unit a mis Murdering en mauvaise posture qu'Ashanti s'est détourné d'Irv pour aller voir ailleurs. This nigga ain't got it, he pretend. Mad at us cause Ashanti got a new boyfriend. This nigga ain't got it, he pretend. Mad at us cause Ashanti got a new boyfriend. Alors cette relation entre Ashanti et Irv aura également des répercussions négatives dans l'industrie musicale, puisqu'elle sera à l'origine d'opportunités manquées, comme par exemple le single Into You de Fabolous. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà écouté l'album Street Dreams de Fabolous, vous connaissez la version d'Into You avec Ashanti sur le refrain. En revanche, pour ceux qui connaissent le clip, vous connaissez la version d'Into You avec Tamia sur le refrain. Et lors de son passage à l'émission Rap Radar sur Tidal, Fabolous expliquait que, jusqu'à présent, il n'a toujours pas compris pourquoi Irv n'avait finalement plus autorisé Ashanti à apparaître dans son clip. It was Tamia's record originally. Tamia, at the time, for some reason, couldn't do the record. I think it was some, she had like throat surgery or something like that. Oh yeah, she was going through, she had to get some, she was having a surgery. So we got Ashanti. So Ashanti did the song. Young Ashanti. Then, when we was going to do the video, we couldn't get Ashanti for the video. It was taking, I think Irv might have been, pulling some funny moves back then. Now that I think about it, like, shit. Irv a souvent été ultra protecteur vis-à-vis d'Ashanti, au risque même de brouiller ses relations avec d'autres artistes, comme par exemple l'affaire avec Keisha Cole. Now, there was a period of time when they said you and Keisha Cole didn't get along, but then y'all did something together. Mm-hmm. Was there ever any friction between you two, or was that a rumor? You know what it was? Me, I call it K-Sizzle, me and her were talking, and there were a lot of things. She had reached out to Irv to do a record together with me, like a full album. Mm-hmm. And I never knew about it. And I don't know what Irv said to her, but it was something to the extent of, you ain't on her level. Knock it off, Keisha. That's what you told her. I mean, look, I don't know what was said, but she took it away.
You know what I mean? And I was like, damn, that's messed up because I never even knew. Mais ce qui terminera d'anéantir la relation entre Ashanti et Irv, ce sera le procès de Murder Inc. Puisque pendant tout le temps de l'instruction judiciaire, Ashanti, comme tous les autres artistes Murder Inc., sera bloqué dans la sortie de nouvelles musiques. C'est donc là qu'Ashanti essaiera de quitter le label, avant d'avoir honoré son contrat de 6 albums. Irv qualifiera son comportement de déloyal, et d'ailleurs, il s'en expliquait dans une interview accordée à Angie Martinez. Ashanti made a collective decision when I was going through my trial that she felt this was hurting her. You know what I'm saying? And she felt Murder Inc. was hurting her or damaging her career. And she was growing and she moved on, which is all good. You understand? But if you don't see a but it caused a, some sort of, I guess, separation. I mean, if someone comes to you, Ange, after you put them on, right? And someone comes to you and says, hey, this is no good anymore. I've grown. It's hurting me. I'm out. I want to be out. What are you gonna, and they try to, in essence, get off the label. What would you do? Like, I think I handled it pretty graciously. You know what I'm saying? And took it on the... Are you disappointed? Would you be? I'm asking you. I mean... Yes. Yes, of course. It's somebody who I've... invested a lot of time, energy, effort, love, a lot of things. Ashanti mettra du temps avant de réfuter ses accusations. Mais lorsqu'elle le fera, elle donnera une toute autre explication pour justifier sa volonté de quitter Murder Inc. à cette époque. Et voilà ce qu'elle disait. I'm a Libra. I'm a very loyal person. You know, anybody with any sense of logic could see that. I rolled out. I rolled till the wheels fell off. You know what I mean? I was, you know, I went to the trial. I was there. I was filming in Vancouver. And in my contract, I wasn't ever supposed to leave Canada. I came to the court, to the trial, like 3 or 4 times when I was not supposed to. I was contractually not doing what I was supposed to be doing, paying those round trip tickets to come to support. And it's crazy because at that time, me and Irv weren't even speaking. Like, we weren't speaking at all because the whole, I had did the remix album, The Collectibles, because, you know, Vivendi had asked to leave. And we owed the albums. And there was stuff going on with that budget money that I wasn't really happy about. Ashanti ira finalement jusqu'au bout de ses obligations contractuelles avec Murder Inc. Et en 2008, elle fera sortir son dernier album sur le label, le Declaration, où Irv ne sera absolument pas impliqué. Cette même période coïncidera également avec les velléités de départ d'un autre artiste, Curve avait signé en 2003, Lloyd. Lloyd faisait partie des derniers arrivés chez Murder Inc. Et en 2004, Irv fera sortir son premier album solo, le fameux Southside, un classique R&B à mes oreilles. Mais le procès viendra tout chambouler et donner des envies d'ailleurs à Lloyd. The federal trial, the feds had basically crashed everything. It was nuts. It was just everything was going crazy. Nobody was putting out music. Nobody could put out music. There was no music. So for somebody who makes music and I can't make music, what are you to do? Right. You know, either you're gonna stay and burn or crash or sink with the ship, or you gonna say, I'm a man and I'm gonna do what I gotta do to survive. Voilà, on arrive à la fin de cette troisième partie. J'espère que mon travail vous aura plu. Si c'est le cas, ben n'hésitez pas à liker la vidéo et également à laisser un petit commentaire, on y répondra. Si vous souhaitez retrouver les chansons mentionnées dans cette partie, on a créé des playlists sur YouTube ou Spotify dont vous retrouverez les liens un petit peu plus bas dans la description de cette vidéo. Encore une fois, pour plus de séries comme celle-ci, vous pouvez nous aider et même nous supporter en faisant un don du montant que vous souhaitez à notre compte Tipeee, dont vous retrouverez également le lien un petit peu plus bas dans la description. Alors pour ceux qui auront apprécié cette série jusque-là, croyez-moi, je garde le meilleur pour la fin. Et je vous parlerai de ce qui n'est pratiquement jamais évoqué dans la chute de Murder Inc.
ce que les acteurs même du label ont du mal à raconter encore aujourd'hui. Des histoires de rue à cause desquelles certains de leurs associés ont été tués et que d'autres croupissent en prison encore au moment où je vous parle. Mais pour ne pas rater la suite, assurez-vous simplement d'être bien abonné à notre chaîne YouTube pour recevoir la notification lorsque la prochaine vidéo sera disponible. Et pour les plus pressés, vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook ou Instagram. Et également consulter nos vidéos déjà disponibles à volonté. La suite et la fin, c'est pour très vite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut.